Le fun n'est pas forcément là. Alors, je crois que j'ai déjà ramené mes photos. Est-ce que j'ai ramené mon noyau? Bon, je vais vérifier s'il n'y a rien. Il n'y a rien à acheter. Ouais, je cours. Ah, je me mange un poteau. Ok. Et ben en fait, je pouvais partir directement à ma nouvelle île. Ouais. Alors, nous allons aller à Leisure Island. Je serai pas là pour du Forza Horizon ce soir, je vais faire le con sur GTA avec un pote. Ah bah, je suis désolé. Moi, je me fais un petit peu de The Tourist. Après, je vais sur Forza Horizon 2. Après, je fais du Blair Witch. Après, en hors ligne, je vais aller faire du test drive. Malheureusement, j'ai une organisation pas forcément très libre. Vitez, vitez l'agence de voyage ici. Visitez, non? Y a pas une lettre en moins? D'accord. Acheter. Ah merde! Mais je voulais pas l'acheter! Fidji? D'accord, mais il y a combien de guides de voyage là? 20 pièces? La vache, c'est super cher votre machin! N'hésitez pas à consulter nos guides de voyage. D'accord, d'accord! Salut loser, vous voulez jouer dans la salle d'arcade? Oui. Il y a un bug au jeu. Vous pensez vraiment pouvoir battre mes high scores? Ok, si vous battez tous les classements de high score du micro arcade, je vous donnerai tout mon argent. C'est intéressant ça, mais. Vous voulez changer des pièces contre des. Oui. Merde, j'ai. Oh, bref. Faut que je joue à tous les jeux, c'est ça? Bob, 4500. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, c'est F0. Mais il faut me donner les touches. Ah, c'est vraiment du F0, hein. On reconnaît certains vaisseaux pratiquement. T'as plus besoin de jouer à des jeux rétro pour jouer à du rétro. Il suffit de prendre un autre jeu et puis tu joues à un jeu rétro. Oh la vache! Non! Mais je viens de le passer ton checkpoint! Ah! J'étais presque, hein! Après, c'est sûr que si vous me donnez pas les touches et puis que je démarre 10 secondes après, ça aide pas déjà. Hein. Oh la vache. J'étais pas loin de tomber, moi. Bon, ça a pas l'air très long pour battre le score. Hein. Pas si je suis premier là. Non, mais tu déconnes. Mais pourquoi je peux pas le prendre alors que tout à l'heure le virage je le prenais facile. Mais non, mais vous déconnez les mecs. Mais c'est incroyable, le vaisseau il adhère moins au début, à la fin qu'au début. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée en fait? Le vaisseau, il adhère moins dans le deuxième tour. N'importe quoi ça. Re, Albator.
Je suis en train de jouer F-Zero Xbox One. Il est magnifique, hein, d'ailleurs. Il paraît qu'il sera encore plus beau sur Series X. Donc, attention les yeux. Mais non, mais tu déconnes. C'est pas croyable. D'accord, si je relâche le bouton, je peux carrément contrôler en l'air. D'accord. Selon votre checkpoint, là, ça va être trop tard. Mais c'est incroyable, là, votre checkpoint, ils sont où? En fait, c'est fait pour que tu gagnes pas, j'ai l'impression, non? Ouais, on va essayer de faire vite fait les autres. Allez, donne-moi 3 pièces. On va tester celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Magnifique. Magnifique, et je dois faire 16 000 points comme ça. Ouh là là, le fun est à son paroxysme. Incroyable. Mais quel jeu. Quel niveau de graphisme incroyable. Red Dead Redemption en sueur, oui. Je le sens bien que le jeu il est craqué et que tu peux pas gagner. Je sais pas pourquoi. Je sens que le jeu il a une blague dans le sens de te dire qu'en fait tu peux pas. Il a peut-être triché, ça se trouve, le gars. Ah d'accord. Ah d'accord. Moi je sais pas, je croyais que je pouvais leur marcher dessus, mais non. D'accord. Je sais pas combien de droits j'ai à me faire toucher. On s'amuse plus que sur TDU, ouais. On va faire gaffe à ce qu'on dit quand même, hein, mais... Vas-y, mais va te faire voir. Mais va te faire voir, putain, il veut pas sauter, putain. Ouais, tu vas aller crever, je pense, hein. Je pense que tu vas aller crever le jeu. Ça va être ça votre but là, faire des jeux pourris. C'est quoi, c'est ça, tac. Super, un casse-brique. Oh mais quel contrôle incroyable! Magnifique! Magnifique! Allez, on s'est bien amusé, c'était The Tourist. Ça commence à me gaver, là. Les nouveaux articles sont arrivés parce qu'on voulait. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Quand vous aurez trouvé au moins 10 diamants, alors on pourra parler business. D'accord. Sympathique. Vous avez besoin d'argent, monsieur, essayez le cash to go. Oui. Un cinéma, ça? Et vous achetez un ticket, des informations concernant le film projeté actuellement. Projetons aujourd'hui The Tourist, un film d'art et d'essai français. Je peux vraiment vous le recommander. C'est un jeu français, The Tourist? Ça m'étonnerait.
5 pièces, enfin 5 dollars, 5 je sais pas quoi. Va te faire voir, oui. En 3D, oui, d'accord. Incroyable. Même ici, ils te font ça. Ça passe là. Je veux que ça se brille dans les vagues, mais je ne suis pas un bon nageur. Ouais. Ah là. On sent le contrôle de traction. On a un guide de voyage. Vous pouvez parler TDU. Ah là là, bah j'ai vu qu'il avait découvert ce qui se passait dans... mon ami Cookie a vu ce qui se passait dans ce magnifique test drive. Photo vide. Non. Vous n'avez pas à l'apprécier alors, c'est que vous faites pas aux autres. D'accord, oui, bien sûr. Ok. Pour mon projet artistique suivant, baptisé Visage et Sentence, je veux exposer des photos de portraits avec un certain thème. En attendant l'ascenseur, photographiez quelqu'un correspondant à ce thème. J'ai mis à jour votre to-do list, ok. Donc quelqu'un qui est en train d'attendre l'ascenseur. Il n'y avait pas autre chose derrière lui, là? Non. Il est fait au calme et traction. Alors, quelqu'un qui attend l'ascenseur. Ah. Ils ont tous l'air d'attendre l'ascenseur, là. C'est quoi, visage et sentence? Si vous prenez une photo qui correspond à ce thème, montrez-la à Stéphane. Oui, d'accord. Je ne sais pas. Ils ont tous l'air d'attendre l'ascenseur. Je sais pas trop ce que vous voulez que je prenne là. Allez, est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il y en a une qui te convient? Voyons voir si vous avez une photo qui correspond. Désolé, je pense pas que ces photos évoquent ce que je recherche. Bon bah alors dis-moi en plus, qu'est-ce que tu veux? Mais oui, mais tu me dis rien de plus en fait, ça sert à rien, espèce de couillon là. Ouais, bah, y a pas grand monde d'autres, hein, beaucoup de monde. Ça se trouve, après, tu veux des visages, donc... Des visages, hein... Y'en a pas 50, hein. Ah, là, il me le dit, c'est celui-là. Bah, ben, voilà. Mais oui, je l'ai, j'ai bien vu. Non, je crois pas qu'il y ait besoin de quitter, hein. Bah, pourquoi tu me montrais Bob, alors? Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Pourquoi il me montrait Bob en texte? On peut pas changer le format, hein, non? Il n'y a plus d'espace. Ah, d'accord. Là, franchement, je sais pas. Je vais aller faire autre chose parce que les missions secondaires, elles sont un peu chiantes. Un petit peu chiante. Ah, y a rien qui te convient, donc je sais pas. Ouais, peut-être qu'il faut que je retourne sur la première île. À mon avis, ça va se faire comme ça. Hein. Viens voir, je vais aller voir juste pour voir si c'est ça. S'il faut quitter les îles. Là. Le cadre sur sa tête, ouais, c'est ce que je me disais aussi, le cadre au niveau de la tête, mais ça avait pas l'air de le fasciner. Ouais. Est-ce que ça serait ça? Et puis alors, il y a un article à acheter, là, chez l'autre. On va aller voir ce que c'est. Des fois que ça puisse m'aider pour la suite. Le double seau pour les touristes. 15 pièces. Ouais, bah ça coûte la peau de mes. Hein. Mais bon. Je risque d'en avoir besoin. Et là, est-ce que ça te convient? Eh ben voilà! Magnifique! Ouh, c'est bien payé, ça! Oh, la tronche! Ok. Merci d'avoir pris cette photo. Passons à la suivante. Montrez-moi où vous voulez aller. Revenez quand vous aurez une photo de correspondante. Comment on pourrait traduire ça? Montrez-moi où vous voulez aller. Avec un visage. Avec lui? Merde. J'y crois pas trop, hein. D'ailleurs, je vois pas trop le temple. Nada. Non, le Forza Horizon 2, ça sera peut-être dans un quart d'heure, une demi-heure maxi. Parce que là, ça commence déjà à me brouter, je trouve, un petit peu. Ouais, j'étais un ticket de ciné, mais... On dirait YouTube, d'ailleurs, leur truc. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut que je fasse ou pas. Je trouve pas de diamant. J'ai pas l'impression qu'ici ce soit fait pour avoir un noyau de quelque chose là. Ça a vraiment l'air de servir à rien du tout ici. De faire des missions, des petites quêtes, des trucs comme ça. Y a des trucs de voyage à acheter là, mais ouais, ça vaut la peau du cul. Alors, je vais peut-être me retenter les petits jeux en arcade, et puis si ça passe pas, je m'arrache.
J'arrêterai peut-être le let's play sur ça. Bah normalement c'est un truc de visage donc mon cerveau est en ébullition, non non. Allez, on va reprendre celui-là. Mais oui, utilisez. Mais lâche-le, voyons, c'est un jeu, c'est pas un perchoir. Ah, j'en étais pas loin de le battre, hein, celui-là. J'arrive pas trop à mémoriser le tracé. Non, c'est possible de faire ça? Vous déconnez les mecs. Oh putain, je suis passé entre les deux comme un gros boulet. Mais j'y crois pas. Tu déconnes, vas-y, tu te fous de ma gueule. Non, mais là, c'est vraiment de la merde. Là, il y a un moment, faut arrêter. C'est incroyable, ce jeu. C'est incroyable. C'est moi ou j'arrête pas de faire exactement le même score? Ouais, je fais exactement la même merde. Hein. Alors avec les autres qui me bloquent là, c'est pas vraiment évident de faire un meilleur truc. Hein. Je sais pas si ça me gagne des points de prendre les trucs peut-être. Putain mais vas-y, va te faire enculer avec ton jeu là. Tu commences de me gaver hein. Sérieux, c'est incroyable quoi le machin. J'ai l'impression que les tours ils sont jamais pareils quoi. Je prends exactement les mêmes trucs et j'arrive jamais à suivre. Et je vais encore perdre à 3 cm de la ligne d'arrivée. Parce que c'est ça qui est fun. Voilà, exactement. Toujours au même endroit. Allez, de toute façon, c'est la dernière pièce. J'arrive pas à retenir ce tracé, là.
Ah bien sûr, vas-y, rebondis. Ça va, tu t'en sors, c'est bon? J'ai tellement l'impression que c'est généré aléatoirement ce truc. Oh bordel de bordel de bordel. Et je l'ai battu. Je m'en fous, je t'ai battu. Allez, mange. Il y avait quoi? Il y avait... Ouais, il y avait le casse-brique, ouais. L'autre, il va me donner tout son argent, il va me donner 2 francs, à mon avis. Ça va être très impressionnant, hein. Merci. Allez, on tente de battre ces deux-là, vite fait. Enfin, ces deux-là, celui-là. Allez, on se concentre un petit peu. Oh la vache. Ah putain, je l'ai pas eu. Vas-y, tu touches pas, mon pote? Incroyable, ça. Ah, bah quand même. 70 000, il a fait. Faut que je choisisse un côté. Ouais, d'accord. Non, mais tu déconnes. Oh, comment tu déconnes. Mais non, mais arrête tes conneries. Non, mais tu te fous de moi, là. Alors, le problème avec moi, quand j'ai ça, c'est que j'en vois plus une seule de balle. Il y en a 3 et j'arrive plus à en choper une. Je sais pas si je suis tout seul dans ce cas-là, mais... Voilà. Il est tout perdu. Oh putain, tu veux pas rester au-dessus? Tu veux pas casser tout ce qu'il y a là-haut? Ça pourrait être cool, hein. Pas mal. T'es sérieux? Je passe à côté de tous les bonus, quoi. On est en 2020, on joue à un casse-brique quand même, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. J'ai fait me louper. Oh non! Bien ça. Magnifique. On a la moitié. Allez à gauche cette fois. Je pense que c'est à gauche, mais on va à gauche. C'est ça, va au-dessus. Mais non, va au-dessus, je t'ai dit.
Ah, j'en vois plus une seule. Je l'ai dit que j'aimais pas ça. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Putain, ça y est, je les ai toutes perdues. Non, bon sang! Fais chier. Ah, oh, va te faire foutre avec tes game over. Mais j'y crois pas, putain. Allez, dernier essai. Après, j'essaie un petit coup l'autre et puis ça dégage, j'en ai marre. Ça commence à me brouter un peu sévère. D'accord. Si tu le dis. Une révolution pour l'industrie. Ah oui, non, mais là, on est dans le haut du panier, là. Ah, ça, j'aime pas ça, ça. J'ai failli le louper. Je comprends rien du tout à leurs icônes. Il y a des trucs, c'est des bonus, d'autres des malus, mais c'est nimpe. Ah, ça aurait été dommage de rater ça en 2020. Hein. Merci, The Tourist. Merci. Au moins, on voyage, c'est bien. Le laser, à part se retourner, j'en sais rien. Moi, tu vois, je vois des trucs qui cassent, je les casse et on voit après. Non, je suis passé à travers. Tu déconnes, je suis passé à travers. Ah, c'est hypnotisant, hein. J'aurais dû faire ça avant d'aller me coucher, moi. Et après, on vient me dire que Fast and Furious Showdown, c'est de la merde. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez! Non! Je sais même pas combien j'ai de points encore. C'est ça, vas-y, va tout défoncer au-dessus, là, ça me va. Ah, on est bien à tester des bons jeux comme ça. Hein. On est bien. Hein. J'ai failli le louper. Ça, c'est du bon let's play de fou, ça. Hein. Je pouvais pas avoir les deux, comme d'habitude. Ah, il y en a des qui cassent pas, en plus. Ah bah, ça va être amusant, tiens. Je ne vois rien.
Et merde, je les ai toutes loupées. C'était juste, hein. C'était très juste. Ah, dommage, j'étais pas loin. Oh la vache! Non, j'aime pas ça les mecs, j'aime pas ça. C'est quoi ce délire? Vu tout ce qu'il y a, je pense que je suis bien barré pour avoir des points là, mais... Ah non, j'ai toujours pas gagné, hein. Non, fallait pas les prendre ces trucs là. Oh, plus que 10 000 points. Plus que 10 000 points, on peut les faire les 10 000. On peut les faire. Oh, ça va être sympa, ça. Non, mais tu déconnes! Putain! Oh non, va te faire foutre! Non, mais c'est de la merde. Non, mais... Pff, déconner, quoi. On voit même pas les vies qui restent. Y a rien de marqué. C'est incroyable. Bon, on sait qu'il faut pas sauter sur les bestioles, on va pas y sauter. Ouais, le L, mais il y a des L, j'ai l'impression qu'il faut les prendre, ça me donne des points, d'autres faut pas les prendre. C'est... Non, mais tu déconnes, il est tombé l'autre. Depuis quand est-ce qu'il tombe? Mais il y a des fois il tombe, il y a des fois il tombe pas, putain, mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est vraiment une arnaque ce jeu là, ces mini-jeux. Oh là là. Eh ben Young, faut en faire des levels pour gagner des points. Eh merde, j'ai loupé un truc. Tiens, mon chat. Celui-là, je l'ai passé au moins. Tout à l'heure, je l'avais pas passé. Ah, c'est celui-là, donc, que j'avais pas passé. D'accord. Vous en avez d'autres, des bonnes blagues comme ça, ou c'est bon? C'est incroyable, où tu veux que je me mette, quoi. What? Mais what the fuck? Mais je saute jusqu'à quelle hauteur dans ce jeu? J'ai l'impression que c'est jamais pareil. Allez, va te faire voir avec tes scores de merde, toi. C'est probablement la chance du débutant, je ne battrai jamais les deux autres. Ouais, j'ai remarqué que je ne battrai jamais les deux autres. Je suis pas sûr d'en avoir envie un jour. Vous avez besoin d'argent supplémentaire, vous pourriez peut-être en trouver en courant dans les zones herbeuses. Ouais, d'accord. Ah d'accord, maintenant je peux trouver des pièces. Oui, d'accord. C'est extrêmement fun tout ça. Oui, bien sûr, c'est exactement là que je voulais aller, ça tombe bien. Bon, ben, c'était fun, hein, tout ça, mais on va se casser. On va se casser parce que...
hyper vite en fun le jeu. Hein. Au début, tu te dis c'est un petit jeu sympa, marrant, qui va te détendre. Et en fait, la difficulté, elle monte à une vitesse. C'est chiant. C'est chiant, vraiment, c'est chiant. Bon, on va aller vite faire les îles Fidji, à quoi ça ressemble. D'accord. Ouais, ok, d'accord, c'était cool. D'accord, ok. Je pense qu'il leur manque... Il leur manque un gars. Il leur manque un artiste, n'est-ce pas? D'accord. Monusum. D'accord. Ouais, on dirait les poissons, ça. Non, je sais même pas. Ouais, bon, bah, c'est bien. Eh ben, je pense qu'on va arrêter le let's play ici, parce que le temple va être un peu long, je pense. Le temple risque d'être un peu long à faire, donc... Il n'y a pas de bouteille dans l'eau, que j'arrête là-dessus. Ça a l'air assez grand en plus cette île, hein, pour une fois. D'accord, oui, bien sûr, t'arrives pas, oui. What the fuck? T'es à côté de l'arbre, tu vas réussir à sauter dessus, oui. Incroyable. Bon, bah, on va stopper là-dessus. Hein.